Yoshino, que faisons-nous avec le thon aujourd'hui? Maguro no tataki. C'est-à-dire un tartare de thon. Oui. Pour combien de personnes? 4 personnes. Cette recette n'est pas celle traditionnelle du steak tartare. On prend du navet blanc. Oui. Long. Oui. Un bon morceau. Et il faut le râper. Oui. Une râpe à fromage. Et il faut tourner. Alors là, ça fait quand même une purée, alors. Ouais. Oui. On récupère la pulpe. Pas le jus, hein. On égoutte. Et on entrepose cette purée de navet au réfrigérateur. Et pendant ce temps-là, on fait la sauce vinaigrette pour la salade roquette. Dans un bol. Oui. On met vinaigre. Balsamique. Balsamique. C'est bon, une cuillère. Et sel. Sel. Une petite pincée de sel. Poivre. Un petit peu de poivre. Du jus de citron. Une cuillère à soupe aussi. Non, moitié. Moitié. Deux cuillères d'huile d'olive. Deux cuillères. Ça suffit. Ouais. Ça suffit. Il ne faut pas trop mélanger. Hein. Ouais. Et ça, on réserve à température ambiante. On assaisonnera la salade au moment du dressage du thon. Yoshino, nous avons tout pour faire le tartare de thon. Alors, on prend 500 g de thon rouge. Il faut le couper en tout petits dés. Sans peau, sans rien. Sel, poivre. Pas beaucoup de sel alors. Après, ajouter à sauce. À part rajouter après. Poivre. Un petit peu de poivre. On mélange le thon avec le sel et le poivre. On met la ciboulette. Oui. La valeur de la cuillère à soupe. Hein. Les deux échalotes hachées finement. Oui. Le morceau de navet râpé, il y avait à peu près 80 g. Une demi-cuillère de jus de citron, du citron jaune. Oui. Et là, la sauce soja, indispensable. Le quart d'une cuillère à soupe. Une huile d'olive, une cuillère de soupe. Oui. On mélange? Oui. Et ça, faut le faire à l'avance ou au dernier moment? Dernier moment. On goûte? Oui. C'est bon. Comment c'est? Un petit peu peut-être poivre et mignonnette, c'est bon. On mélange? Oui. Maintenant, on dresse les tartares de thon. Oui. Alors pour ça, on prend soit un cercle, et si on n'a pas de cercle, on prend un petit ramequin, ça fait l'affaire, non? Oui. On garnit le cercle. On enlève. Oui. Vous allez en faire combien? 4 comme ça? Oui. On peut remplacer le thon, donc, par de la Saint-Jacques, de la dorade, du maquereau. Oui. Et ensuite, salade roquette. Alors salade roquette, une bonne poignée. Oui. Juste simplement à poser à côté un petit peu de vinaigrette avec une cuillère à soupe, on assaisonne le tout. Un copeau de parmesan. Un morceau de parmesan de 50 g à 80 g à peu près. Et avec le couteau économe, faire des petits copeaux. Voilà. Yoshino, c'est un tartare relevé en saveur. Grâce, navet au soja.